Hey yo les potes, c'est Furious et bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le déblocage du camouflage de diamant sur tous les fusils d'assaut. Donc le camouflage je l'ai pas débloqué aujourd'hui, même le jour où la vidéo sera postée, je l'ai débloqué je crois juste hier. Du coup voilà, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont débloqué le camouflage diamant, beaucoup de tryhards comme moi en tout cas qui ont tryhard des fusils d'assaut pour débloquer ce camouflage. Enfin bref, là à l'heure où je vous parle on est en direct dans des parties personnalisées. Je suis contre des bots, voilà, vous le verrez, c'est pour bien vous montrer le camouflage diamant. Donc là hop, voilà. Franchement elle est magnifique les gars, dites moi ce que vous en pensez. Ce qui paraît à toutes les séries de 5, le camouflage change de couleur. On va voir ça tout de suite. Ah bah voilà, là je fais le kill. Ah là il est en violet. Ah franchement il pète du cul les gars. Et il est vraiment magnifique. Ah franchement je sais pas si vous, mais je trouve que c'est une putain de bonne idée que Treyarch ait pu faire ce système de camouflage qui change de couleur au fur et à mesure des kills. Je sais que ceux qui ont précommandé le jeu ont une variante de la MX9, la MX9 Patriot. Donc déjà l'arme change. Alors en gros c'est des variantes d'armes hein. Même si la puissance de feu ou quoi change pas, ça c'est bien, c'est juste le skin de l'arme qui va changer. Et on peut débloquer le camouflage, je sais plus comment il s'appelle, réactif je crois. Il va changer de couleur à tous vos kills, franchement c'est vraiment magnifique. C'est vraiment tout nouveau, c'est tout frais. C'est vraiment incroyable. Donc là le violet franchement il est aussi magnifique. Le diamant on le voit bien, il brille bien. Je vais inspecter l'arme après, juste là. Je fais mes petits kills. À chaque fois, je vais vous montrer. Oula, c'est quoi cette stone là? Oh, on peut même pas viser. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ah, là, il passe au vert. Ah, il est magnifique. Je vais mettre dans un petit coin. Tac. Ah, il y a un mec là. Ah, ça va, il m'a pas vu. Il est magnifique. En plus, on dirait qu'il y a des petits rubis sur le côté de l'arme. Ah, franchement. On dirait qu'il y a des petits rubis en violet. Je sais pas si c'est vraiment des rubis ou quoi, mais regardez. Il est magnifique, il brille et tout, on voit les petits sentiments vraiment. Franchement Treyarch nous a pas déçus au niveau des camouflages. Franchement je pense qu'ils vont nous sortir des camouflages qui vont péter sa mère. Voilà, je suis pas là en partie personnalisée parce que ça va être 100 ans sinon pour faire les séries. C'est pas que je peux pas les faire les séries, mais c'est au moins je vais contre des bots et puis je vous fais une série. Donc bref, oui, je crois qu'il faut faire une série de 35 pour pouvoir avoir le camouflage diamant multicolore. J'ai vu ça sur d'autres vidéos. Bon, je citerai pas les youtubeurs, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Donc criez pas au plagiat tout de suite ou quoi. Chacun fait son truc. Normalement là au prochain kill ça change de couleur, non? Tac, au bleu. Waouh, la couleur elle pète hein, franchement. Franchement la couleur elle pète hein. Vraiment. Juste les gars, ouais franchement ouais. Ah ça tue. Je vous disais ouais, juste ne jugez pas mon gameplay parce que là j'ai carrément deux os cassés de la main. J'arrive quand même à jouer parce que quand je joue ça me fait pas hyper mal, mais bon j'ai pas trop de mobilité en fait, du coup voilà. Waouh, c'est vraiment magnifique, c'est magnifique. Hop, toi tu crèves ta mère. Vraiment c'est magnifique. J'ai choisi la Rampart 17 alias la Scarache parce que je trouve qu'elle a un plus beau, le skin d'arme est beaucoup plus gros et beau en fait. Waouh, c'est magnifique. Ah, orange. Ah, j'aurais pas pensé qu'il mettrait la couleur orange, mais je suis moins fan de orange, mais il est quand même beau. Franchement, il est quand même beau. Oui, ah, j'avais pas vu lui. Allez, crève ta race. Merci. Non, ouais, il est magnifique. Ouais, même en orange, il est beau, il scintille et tout, franchement magnifique. Donc voilà les gars, donc cette vidéo déjà va signer le Road to Dark Matter. À chaque fois je vous ferai une vidéo des blocages diamants. Donc là j'ai commencé les SMG à l'heure où je vous parle, je crois que j'en ai déjà presque deux en... Wouah. Alors là le camouflage m'interrompt parce que là il est vraiment magnifique. Ça c'est bleu caillant je crois que ça s'appelle, je sais pas comment ça se prononce. Caillant... Cyan, je sais plus comment ça... Waouh. Alors celui-là c'est mon préféré hein. Waouh. Ouais, celui-là, cette couleur, c'est vraiment ma favorite. Ah ça y est les gars, ça y est, let's go. On a le camouflage diamant un peu disco, tu sais, un peu toutes les couleurs, multicolores, vraiment magnifique. Aïe aïe aïe. Ah voilà, je meurs. Bon, de toute façon c'est la fin de la partie. Je pense que je vais refaire une petite partie pour vous en parler un petit peu plus, que je vais faire la série hors caméra, et puis moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, me revoilà les potes. Donc là j'ai refait une partie personnalisée, j'ai refait une série 35 pour vous montrer le camouflage, parce que de toute façon c'était la fin de la partie et puis j'étais mort. Donc voilà, j'ai recommencé une partie pour que vous puissiez bien voir le camouflage. Regardez-moi ça, comment il est beau. Non mais sérieusement, Treyarch, vous nous avez gâtés franchement. Donc après j'ai une première question, enfin j'ai deux petites questions à poser. Donc si vous savez vraiment, dites-moi dans l'espace des commentaires. En tout cas je l'ai pas encore testé en multijoueur. Là je vous rush le Road to Dark Matter. Donc oui, je vous parlais tout à l'heure, enfin je voulais vous parler mais j'ai été interrompu à cause du petit déblocage. Je vais vous faire la série Road to Dark Matter. Donc je vais moi-même m'occuper de cette série là. Donc à chaque fois je ferai une vidéo au déblocage diamant sur toutes les catégories d'armes. Donc là c'était les fusils d'assaut. Donc non, vous inquiétez pas, je vais pas à chaque fois aller en partie personnalisée pour vous montrer le camouflage diamant, voilà, avec toutes les catégories d'armes concernées. Donc non, à chaque fois que je débloquerai le camo diamant, je ferai une game avec en multijoueur, espérant faire de bonnes séries et des bons massacres. Voilà. En tout cas, c'est juste pour vous montrer à ceux qui ne veulent pas avoir le Dark Matter, pour vous montrer ce que ça donne. Et puis le diamant sur toutes les armes, et puis ça c'est sympa de vous faire une série comme ça. Pour ceux qui aiment, vous pouvez suivre, et puis voilà. Donc voilà, je vais faire cette série moi. Donc là je suis en train de commencer les SMG. J'ai déjà presque 2 SMG en or. Donc je le rappelle, pour avoir le camouflage diamant il faut mettre en or toutes ces armes. Et en même temps je vous cache pas que je fais les secondes, que je fais le lanceur là, je sais plus comment il s'appelle. Là je l'ai déjà presque fini. Je le fais en même temps de faire les AR et SMG. Donc là prochain épisode ça sera les SMG les potes. Donc voilà, j'ai deux questions à me poser aussi. À vous poser si vous savez, mais uniquement si vous savez. Si vous n'êtes pas sûr, ça sert à rien de répondre. Mais première question, est-ce qu'il va falloir faire tout le temps des... Ouh là là, il y a du monde là. Oh putain, je meurs. Ah bah on va voir justement si après être mort on l'a toujours. On l'a toujours. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Donc si on meurt, on l'a toujours. Mais la question, est-ce que si on le débloque, on le débloque en permanence? Ou est-ce qu'il va falloir à chaque partie refaire une série de 35 pour pouvoir le redébloquer dans la partie? Ça serait un peu con, hein, parce que c'est pas dans toutes les games qu'on va faire des séries de 35. Même si c'est juste une nucléaire plus une série de 5, c'est pas ouf ouf, mais c'est pas dans toutes les games qu'on va faire des séries de 35. Oula. Ouais. Du coup c'est à voir. Je l'ai pas encore fait en multijoueur, je verrai plus tard. Waouh. Non vraiment, au Treyarch ils nous ont gâtés au niveau des camouflages. Et je pense qu'il y en a vraiment des cools qui vont encore sortir, parce que là c'est que le début. Ils vont nous rajouter du contenu. C'est vraiment énorme. Non là, si vous savez, est-ce qu'on le débloque en permanence ou est-ce qu'à chaque fois il va falloir refaire une série 35 par game? Dites-moi en commentaire. Enfin bref, déjà ça fait déjà 9 minutes et quelques de vidéo je crois. Je le vois au... Je le vois au gameplay. Ouais, on est à un petit peu plus de 9 minutes. Donc les potes, moi je vais vous laisser ici parce que là ça fait longtemps. Ça fait un petit peu longtemps, la vidéo elle est un peu longue. Bref. Les potes, moi je vous dis à la prochaine, sûrement pour le déblocage du diamant sur la SMG ou pour d'autres vidéos bien sûr. C'était Furious, je vous dis ciao et peace.